La ville russe de Saint-Pétersbourg a commencé à accueillir ce mercredi son premier lot de dirigeants africains à l'occasion du deuxième sommet Russie-Afrique qui doit se tenir du 27 au 28 juillet prochain. Le chef de la diplomatie de la République du Congo, Jean-Claude Gakosso, ainsi que son homologue éthiopien, Demeke Mekonnen, et aussi le président de la Guinée-Bissau, Amaru Sissoko Embalo, comptent parmi les premiers représentants du bloc Afrique arrivés en Russie. La rencontre organisée par Vladimir Poutine sera l'opportunité pour Moscou de créer ou de consolider certaines relations sur le continent africain, qui avec ses 1,3 milliard d'habitants ne cesse de s'affirmer sur la scène internationale. La sécurité alimentaire et l'avenir du groupe militaire Wagner devraient être au centre des discussions durant le sommet.